À l'occasion de la journée du droit de l'enfance du vendredi 20 novembre 2020, je vous propose de se redécouvrir des émissions sauvegardées sur YouTube des zouzous de 1999 à 2009. Cette émission avec mon cher en 1999. Avec les personnages de la série de Rolly Polly Oli. D'ailleurs, plus tard, les apparitions de ces personnages de moins en moins. Et oui, dans les émissions de Zouzou. D'ailleurs, il y a d'autres émissions, telles que Midi les Zouzou, Bonsoir les Zouzou, et je vais prendre les réponses, il y a bien Télé Zouzou. D'ailleurs, pour ce dommage, il y a vraiment moins les Zouzou. L'émission s'est arrêtée en 2009. On va faire par Ludo, tu viendras. Ludo Zouzou et puis Zouzou tout court. D'ailleurs, c'est bien, surtout qu'on va prévenir de poursuivre l'émission beaucoup. Malheureusement, je me suis aperçu que beaucoup est d'origine chinoise. D'ailleurs, tous ces personnages dans les contenus beaucoup, ben, on dirait des dessins chinois. D'ailleurs, le générique dans la télé sur France 5, ça ressemble à des dessins un peu japonais. Bien sûr, les visages qui apparaissent dans les fonds, on dirait des tags asiatiques. D'ailleurs, voici la preuve en image. Alors, c'est d'accord. En route pour Oku. Je connais un raccourci. Voilà Oku. Quel paysage étonnant. Nous nous sommes arrangés pour régler le problème de Tintin. Son périple s'arrêtera au temple de Oku. J'espère que ces preuves vous ont convaincu, j'espère. Et oui, pour vous dire que Oku est d'origine chinois, japonais et coréen. Ah, et oui. D'ailleurs, il faut savoir que sachez une chose, que c'est en Chine où avait le coronavirus. Et oui, c'est que j'essaie de vous prévenir avec ces preuves en image. D'ailleurs, pour ce qui est du droit à l'enfance, et bien il permet de faire des lois pour les enfants. Et que les municipalités réunissent les enfants pour des lois qui sont conçues pour les enfants. Allez, bonne journée des droits de l'enfant, c'est continuez à vous protéger du coronavirus sur YouTube.